Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mercredi 15 avril, 8h56, et bienvenue sur la Direct Live 20. Là, j'ai mis le tour de cou au-dessus de ma tête. Température extérieure, 8 degrés. Et bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez bien dormi, que vous êtes bien confiné et que vous êtes en bonne santé. Je vais ouvrir mes poules. Putain, temps magnifique. Je vais écouter. Voilà. Voilà. On va refaire le plein en graines après. Et bien dormi, il fait beau, regardez-moi ce temps magnifique, la tente, enfin la serre. Toujours merci pour vos commentaires et vos vues, n'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos, le temps que je fasse des indirects live. Dans l'avenir, je mettrai tous les indirects live en playlist. Comme ça continuera mes vidéos sur ma chaîne habituelle, voilà. Mais il y aura tous les indirects live dans l'avenir en playlist. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés. C'est cool. En gros, c'est une dizaine d'abonnés par jour. Et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, pas mal de boulot. Je vais m'occuper, je vais nettoyer le poulailler, ça c'est sûr. La toiture, tout ça c'est bon. Je vais essayer de voir pour trouver une tondeuse et tondre cet après-midi. Et en attendant de recevoir les joints et le joint de mon ami Nico, voilà. Et sûrement m'occuper aussi du jardin. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure. 9h42 les amis. Donc, je suis en train de refaire un test avec mon Baofeng. Et hop, je me mets comme ça. Je suis en train de refaire un test avec mon Baofeng. Et j'ai ressorti mon antenne UHF-VHF de voiture. Donc là, j'ai mis l'antenne de voiture, enfin j'ai mis l'antenne sur la Yaris. Et avec mon petit poste Baofeng, eh ben, ce qui est bien, malgré la configuration du terrain, eh ben, j'entends un relais de radio amateur à 40 km de ma voiture. Donc je vais essayer de vous montrer discret, vite fait. Voilà, ça c'est l'antenne. Ça c'est l'antenne de la voiture. Voilà. Et là, je suis sur le relais de Sainte, hein, qui est en 35-40 km d'Angoulême. Mais je crois que le relais est à 40 km, l'implantation du relais. Donc, je vais pas la faire trop longue pour éviter de communiquer les indicatifs, mais c'est pour vous montrer la portée quand même avec une antenne de voiture. Voilà. Donc c'est pas mal. Je vais regarder en même temps s'il y a de la propagation. Je vais regarder sur l'ordi. Je vous reprends après. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la radio, UHF, VHF, je vous mets le lien du site. Voilà, et ça vous dit où sont tous les relais radio amateur, ainsi que leur fréquence entrée et sortie. Voilà. Donc ça doit être là, c'est le relais UHF. Et là, c'est le relais VHF. Voilà. Donc, si
voyez, si je défais le relais, le relais de Sainte, ils sont là, et Angoulême est là, voilà. Donc reprise de la vidéo, là je vous montre l'adresse du site pour voir la propagation des ondes. Donc pour faire simple, plus c'est jaune et plus il y a de propagation. Vous voyez ? Et là, ce qu'il faut regarder, c'est en heure UTC, ça vous programme les futures propagations qui vont être sur la France. Là, on est le 15, vous faites clic gauche. Là, on est à minuit UTC. Et nous, il est 8h UTC, donc ça va nous dire, allez, 9h UTC, ça fait 11h France. Et ça nous dit la propagation qui arrive sur la France. Voilà. Donc, petite séquence d'un direct live 20 en vous parlant un peu de radio, de site. Allez, n'hésitez pas à aller voir ces sites, ça vous permettra de connaître la propagation et où se trouvent les relais près de chez vous, en fait. Voilà. Allez, à tout à l'heure. 12h20 les amis, et oui, j'ai reçu mon couteau de poche et 6 dans le coude. Et là, je suis en train de transférer le fichier de la GoPro pour faire le montage vidéo. Et je vous montre en avant-première à quoi il ressemble. Voilà, le ici et zone coude. Allez, la vidéo va paraître dans quelques jours. Allez, il est 15h les amis. Allez, je vais partager un petit moment avec vous. J'ai fini le montage de mon couteau. Il est vraiment même plus. L'achat de mon couteau Zancudo. Je vous montre un peu les coulisses. Beaucoup plus fin. Et la vidéo va bientôt paraître sur ma chaîne. Allez, pas plus d'infos. 15h23. Bon. C'est parti, l'appel à brin, le fond du pondoir, et j'attaque le nettoyage. Hein. Ben, j'avais prévu hier, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Là, je vire tout, un coup de... Eh oui, papa, il est là, ma belle. Papa, il est là. Hein, tu connais Vic, hein, tu connais Vic Gasden. Hein. Hein. Allez, je rigole, à tout à l'heure. 17h38 les amis, Daniel va rentrer dans le nid et c'est pas mal, c'est un super temps, un peu de vent. Et là cet après-midi j'ai passé mon temps au téléphone en train de faire le montage vidéo et à répondre aux messages. Donc je voulais mettre deux personnes en avant. Parler de deux personnes, c'est James de la chaîne YouTube Survie Urbaine. On s'est appelé tout à l'heure pendant plus d'une heure au téléphone et super sympa, égal à lui-même. Voilà, super et très très gentil. Et c'est grâce à lui qu'il faut que je le remercie parce que c'est lui qui a fait mes vidéos de bande annonce, début et fin de vidéo. Voilà, encore merci, James. Après, je voulais remercier aussi un youtubeur, Chris John 974. C'est un youtubeur qui habite à l'île de la Réunion. Et c'est en regardant ses vidéos que j'ai acheté le S6 en Kudo. Voilà. Donc, je vais en parler, je vais le mettre en avant sur ma prochaine vidéo. Je vais demander l'autorisation par message privé sur YouTube, si je pouvais utiliser une image de lui et son logo. Voilà, il m'a répondu super rapidement et super gentiment. Donc pareil, je pense que t'es un mec bien, Chris. Et voilà.
Donc, je vais faire le point et je vais attendre que Daniel rentre. À tout à l'heure. Ah, 19h, les amis. Bon. Daniel est parti se reposer 5 minutes. Je remonte un peu les plantations. Ah, c'est pas mal, hein. Elles sont belles, hein. Regardez ça. Il fait 25 degrés dans la serre, malgré l'aération. Bon, il y a pas mal de vent. Moi, je vais finir de nettoyer le poulailler. Et voilà. Et ma petite toupie, elle va un peu mieux. Un peu mieux, ma petite toupie, elle a mal à son dos. Là, elle a pris un petit cachet, hein, ma belle. Ah, oui. Bon, allez, je finis de nettoyer mon poulailler, je mets la paille et voilà. On verra pour la fin de la direct live. À tout à l'heure, belle à porte, belle à porte. Elle donne belle assise. Je sais pas ce qu'elle a chopé. Regardez-moi la merde qu'elle a trouvée dans le sac poubelle de la paille. Mais c'est pas une saloperie, c'est là. Regardez là. Regardez comme elle est belle. Hein? C'est ma vie, ça. 19h57, les amis. C'est la fin de cet indirect live 20. Encore une journée de passer en confinement. Et un peu moins de travaux qu'hier, mais bon, là j'ai baissé un peu la pression. Mais il a fait un temps magnifique. Un peu de vent, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, je vous remercie de regarder mes indirects live. Bientôt la sortie de la vidéo sur mon couteau de poche Essis en Kudo. Vous avez pu voir, je vous ai montré un petit rush juste auparavant que le montage était fini. Et voilà, merci de liker, de partager, de disliker, tout ce que vous voulez. Merci de regarder mes vidéos. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.